cette année, donc en septembre-octobre, il y a eu des grosses pluies qui ont créé des inondations, notamment avec une rivière qui est juste à côté de Cabo. Et ces inondations ont détruit tout un tas de maisons sur l'axe Wandago-Cabo. C'est ces populations-là, celles qui ont perdu leur maison, qu'on a ciblées pour l'intervention RRM précédente. Bonjour, je me trouve actuellement à Beltounou 2 où nous faisons des distributions de vivres aux familles qui ont été victimes des inondations au mois d'octobre. Ces inondations ont détruit leurs habitations ainsi que les champs et les cultures. Où on est en train de distribuer des vivres. Ce sont des kits qui permettent à une famille de 5 personnes de survivre pendant 45 jours et on fait une nouvelle distribution en 45 jours pour pouvoir leur permettre de tenir sur une durée de 3 mois. Ces kits sont composés de riz, de maïs, d'arachide et de manioc ainsi que de l'huile et du sel. Ce que fait le collègue avec le mégaphone là-bas, c'est qu'il est en train de rappeler la composition des kits pour être sûr que tous les bénéficiaires soient bien au courant de ce qu'ils vont recevoir et qu'ils puissent vérifier qu'ils ont bien le bon nombre de sacs. Les gens arrivent avec leur jeton de bénéficiaire, ils émargent chez nous, ils récupèrent un kit jusqu'à la sortie.